Bonjour, moi c'est Julie et aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur, Le Monde de Charlie, écrit par Stephen Jbowski et publié aux éditions Sarbacane en 2012. Alors ce roman parle de plusieurs thématiques différentes. Ça parle de l'adolescence parce qu'on va suivre un jeune adolescent durant sa première année de lycée, en seconde. Ça parle du mal-être qui va avec l'adolescence. Ça parle aussi beaucoup de traumatismes psychologiques. Charlie est un garçon naïf, sensible, très observateur et il a beaucoup de mal à s'impliquer dans sa vie personnelle et à rentrer en contact avec les autres. Et justement, durant toute l'histoire qu'on va suivre, on va voir son évolution et comment il va réussir peu à peu à rentrer dans une bande d'amis. Autre chose que je voulais préciser, en fait, tout le livre est constitué de lettres et uniquement des lettres de Charlie. Donc, on est entièrement de son point de vue. Et en fait, avec ces lettres, il s'adresse juste à un ami. On ne connaît pas son nom. Charlie a subi plusieurs traumatismes psychologiques. Mais ce qui est très bien fait, c'est que l'auteur n'insiste pas trop dessus, il n'y a pas beaucoup de fioritures, parce qu'on comprend vite qu'il ne comprend pas tout, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Donc tous ces sujets lourds sont contrebalancés avec son détachement, en fait. Ce qui m'amène au style de l'auteur, que j'ai adoré, parce que c'est un style très direct, honnête et sincère. Donc ça va tout de suite au mot juste. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vu qu'on est du point de vue de Charlie, donc d'un adolescent, et que c'est lui qui parle à la première personne du singulier, il y a du langage parlé, ce qui rajoute au côté naturel en fait de Charlie. C'est vraiment comme si c'était notre ami qui nous racontait une histoire. Je conseille ce livre à partir de 15 ans et plus, donc aux grands adolescents, aux jeunes adultes, mais aussi aux adultes. J'aime beaucoup le conseiller aux adultes parce que ça peut leur rappeler leur adolescence et les aider peut-être à comprendre les adolescents d'aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce roman a aussi été adapté en film par l'auteur, donc par Stephen Jbowski, qui est aussi le réalisateur du film, ce qui en fait une adaptation très fidèle au livre. Si je vous ai donné envie de lire le livre ou voir le film, n'hésitez pas à les réserver avec le lien en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de 50 ans en Yvelines pour retrouver d'autres rendez-vous de Planète Bib. À bientôt, bonne lecture.